Allô? Oui, c'est ici. Oui, c'est moi. Ah, enfin, c'est l'agence. Finalement, vous m'avez trouvé une intérimaire, alors. Une extra. Oh, c'est parfait. Combien? Ah, 100 euros par jour. 20% pour vous. Ben, écoutez, oui, c'est entendu. Elle s'appelle Brigitte. Pour le week-end, mais moi, tu vois, je l'aurais presque embrassée. j'ai l'impression qu'il tenait vraiment ce que je sois là. Mais moi aussi, ah, enfin. Oh, on est un petit peu fou, hein. Complètement. Ah oui. Mais j'espère qu'on arrivera à se trouver un petit moment ce week-end, rien que pour toi et moi. Non, on verra. En attendant, il faudra faire très attention, hein. Ah, oui. Et surtout pas la prudence, oh, hein. Non. Ah. Regarde. Je merci. Ah bon, en fait, tu lui as montré sa chambre? Non, j'allais le faire quand t'es arrivé. Bon, mais c'est celle du fond. Attends, c'est bien celle-là que tu veux qu'il ait. Celle du fond, la plus grande. Bon, alors écoute, installe-toi. Bon, ah, volontiers. Comme chez toi. Ah, hein. Ok, merci. Allez, hein. Bon, fais attention, il y a une marche. Ah, d'accord. Tu tombes, hein. Ah, ben voilà. Ah, même quand tu te fais bien. Bonjour, madame. Oui, c'est ça, bonjour. Bonjour, bonjour monsieur. Bien, il faudrait peut-être que j'aille me changer. Oui, ah, si vous ayez quelque chose d'autre. Oui, une robe qui serve pour le dîner. Une robe de dîner, absolument. Eh bien, c'est parfait. Ah. Eh bien, écoutez, je suis ravie. À de suite. Ah. Alors, moi, une femme de ménage comme ça, hein, j'en ai jamais vu. Ouais, ben, non, non plus, hein, oui. Jamais vu, jamais. Ça y est, c'était dégoûtant. Il a failli laver. Et bien dur à laver en plus. Mais dites donc, mais vous vous êtes pas changé? Changé? Mais oui, pour le repas pour ce soir. Ah, parce que vous voulez que je fasse maintenant? Oh, ah oui. Que je mette ma robe plus habillée? Mais oui, dîner, quoi. Mais oui. Bon ben, c'est parti pour les chichis, hein. Voilà. Bon. Eh ben moi j'y vais aussi parce que faut que j'aille mettre mon veston, hein. Parce qu'un dîner habillé, on mange de chemise, hein. Les rats, il lui reste plus que ça à faire, hein, maintenant qu'il est habillé, ta nièce. Bon, bah, enfin, veux-tu m'expliquer pourquoi il lui refait un manteau, enfin? Pourquoi? Parce que ta nièce est sa maîtresse. Mais non. Oh. Mais si, il t'a demandé de faire passer ta nièce pour ta maîtresse. Petit mot, non. Moi, c'est un samouraï, il y a un homme, hein, vrai. T'as qu'à boucher. Enfin bon, ça doit être très loin, quoi, de toute façon. Mais non, c'est une image, une instant. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu choisis avec quoi, toi? Bah là, comme on n'est pas deux jours près, je vais y réfléchir. Hein. Mais à quoi? J'aimerais autant plus la voir, en fait. Qui ça? Ta femme, enfin. Ah non, attends, je t'interdis de dire à ma femme que je suis au courant. Oh bah tu sais, moi je m'entraîne déjà à être à tombeau. Hein, mais bah continue, hein, parce que je dois pas le rater. Il faut qu'il ait surprise. Ah bon? Qui ça? Bah ce salopard, il n'y a rien pour attendre. Ah, tu sais pas qui c'est? Ah non, ça je sais pas. Sans quoi il serait déjà en bien. Ah, voilà, il est en mythe. Et fuite, eh ben c'est toujours la nuit que ça fuit. Ah bon, je savais pas. Vous savez pas ça? Non. Mais tout le monde sait ça. Bah, c'est toujours la nuit que ça fuit. Ah bah oui. Alors, ils m'ont téléphoné complètement paniqué parce qu'ils avaient de l'eau. Mais alors, jusqu'au genou, hein. Au rez-de-chaussée. Ouais. Complètement paniqué pour avoir de l'eau jusqu'au genou au rez-de-chaussée. Non mais... Des gens de la ville, hein. Oh, bah oui, bien sûr. Enfin, bref, ni une ni deux, moi, ben, j'ai sauté de ma camionnette
direct, et puis j'arrive ici, et c'est pour ça que je m'excuse de me présenter comme ça devant mais vous. C'est hein. pas grave. Ouais, 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 ouais. Non, mais parce que je fais ça pour dépanner hein, seulement. Hein. Ah non, je suis pas plombier. Hein. Ah non? Ah non, non, c'est moi qui m'occupe du jardin des poncelets. Ah, c'est ça? Oui, oui. Oh, bah, les poncelets, le jardin des poncelets, vous l'avez vu, non? Oui, ça m'arrive, oui. Oui, ça vous arrive, hein, oui, oui, oui. Oh, bah, alors, au printemps, j'en mets plein d'impatience. Oui. À l'automne, plein de pensées. Et puis, comme ça, bah, ils viennent quand ils veulent, bah, y a toujours du fleuri. Ah, oh, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Oui, oui, oui. Ah.